baissant épaules basses. Et si on lève les bras, on inspire, on s'ouvre et on tire vers le ciel. On ouvre, on relâche, on expire et on va répéter ça encore deux fois. Inspirez, levez les bras, inspirez-vous. Expirez, relâchez, et un dernier. Inspirez, levez, tirez. Expirez, relâchez, descendez le buste doucement vers le bas. Relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez complètement vos muscles. Au prochain expiration, mettez les mains sur la partie de vos cuisses. Et remontez le buste progressivement, déroulez votre dos vers sèvre après vers terre. Mettez les mains sur la taille, serrez vos pieds et faites un pas gauche, un pas droit. Et tout ça rapidement. Allez, c'est parti. Pensez à vous grandir. Poussez légèrement vos épaules vers l'arrière. Écoutez le rythme. Et restez avec moi pour 8 encore. 7, 6, 5, 4, 3. Ok, on lève un bras, l'autre. Si on fait step touch à gauche, on lève le bras opposé. Si c'est un peu difficile, faites le mouvement comme vous le souhaitez. L'essentiel, c'est juste de rester un mouvement et de vous échauffer. 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Les deux bras ensemble pour 8, 7. Respirez bien. 6. 5, encore un peu, 4, 3, 2, 1, et on croise devant, excellent. Chaque fois quand on croise avec les pieds, on pousse les bras vers l'arrière, 8 encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, deux flexions des avant-bras pour les cuisses, et 8, 7, 6, 5, allez courage, 4, 3, 2, 1, et on lève les coudes, maintenant, 8, 7, 6, et 5, gardez les bras fléchis quand vous levez les coudes, 4, 3, d'où les mains chères, mais on tend les bras, hop là, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on s'arrête. Cercle avec le bassin. Sens préféré. Respirez profondément. Allongez les nuques et grandissez-vous. 3, 2, 1, dans l'autre sens. Encore. 4, 3, 2, excellent, on écarte les jambes, plus que largeur des épaules, genoux raides. On lève les bras, on inspire, on s'ouvre, on tire vers le ciel et on descend le buste complètement en bas, on expire. Tout petit en bas, pensez à rentrer la tête. Poussez très loin derrière vous avec le bassin et les fessiers. Soufflez, soufflez bien encore. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attention, les mains sur les genoux pliés, on jambe et ensuite là. Remontez légèrement le buste. Encore. Dernier, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, gardez la jambe gauche fléchie. Soulevez le talon et descendez le bassin en bas. Tout petit avec le bassin vers le sol. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise ici, n'hésitez pas à soulever les orteils ou les jambes tendues. 3, 2, 1. Et changez de l'autre côté. Cette technique va nous permettre d'étirer l'intérieur de nos cuisses, les os du dos et bien sûr tirer les cuisses, les cuisses jambières. 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez et remontez le buste. Levez les bras, grandissez-vous, rapprochez légèrement les pieds et tirez plus fort d'un côté, tirez bien avec le ventre, de l'autre côté, soufflez bien fort. Reprenez encore un pas de chaque côté, de l'autre, les deux, et relâchez, c'est parfait.
Échauffement terminé, on rentre dans la partie de renforcement musculaire. Je vous laisse vous hydrater et aller chercher vite fait vos petits haltères. Le premier exercice que je souhaite vous proposer, il va nous permettre de solliciter la taille, les obliques et le milieu du dos. Aujourd'hui, on va démarrer par le milieu du corps. On écarte les pieds, pas plus que la largeur des épaules, les pieds parallèles. Les bras restent près du corps. Inclinez le buste à gauche, levez bien le coude droit vers le ciel. Ressentez comment vous glissez les mains à l'extérieur du corps. Pensez à rentrer la tête pour ne pas pousser au niveau des cervicales. Et glissez avec l'autre bras, répétez la même chose de l'autre côté, soufflez. On y va vite. Et 8, 7, 6, 5, respirez profondément. 4, essayez de ne pas casser vos poignets. Ok, restez côté préféré et tout petit. Pour 25, 2, 3, 4, 5, 6. Tirez plus avec le bras tendu vers le sol. Le bras fléchi, il ne joue pas. C'est plus le bras tendu qui joue. Ouais. Dernière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Changez de l'autre côté. 25 répétitions. Et 10, 8, 7, 6. Baissez vos épaules. Ressentez le travail à l'extérieur de vos abdominaux. Serrez les fessiers. Cherchez à contracter les muscles du périnée, les muscles tout en bas de votre ventre. Dernière. 5, 4, 3, 2, single. Et un pas de chaque côté. Et levez, levez bien le coude. Essayez de ne pas bouger le bassin, encore moins vos jambes. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Ça sera le seul exercice qu'on va faire pour solliciter les angles que je viens vous citer. C'est pour ça, restez bien concentré afin qu'on puisse toucher tout le reste dans le corps. On va solliciter les biceps, les triceps, la partie haute du notre dos, les cuisses, les mollets. Aujourd'hui, encore du body sculpt total, renforcement musculaire. Il reste derrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. C'est super ça. Deuxième exercice, on va dire bonjour aux biceps. Prenez les deux haltères si c'est possible. Si vous utilisez une bouteille d'eau, il suffit juste de tenir votre bouteille d'eau avec la main. Pliez le bras soufflé, c'est facile, vous connaissez. Relâchez, inspirez. Quand vous relâchez le bras, essayez de ne pas prendre d'élan et travaillez vraiment correctement. Utilisez votre conscience. On y va? On va faire 40 répétitions de chaque côté et une seule série. Et 1, 2, 3, 4, 5. Si le tempo est un peu rapide, n'hésitez pas à faire le mouvement moins vite que moi. Allez encore, 30. Et 2, 3, 4, 5. On se décomplit le bras. Assurez-vous que le bas du dos est protégé, d'accord? Rétroversion du bassin. Les pieds la moitié partie, reste encore 20 fois. Et 2, 3, 4, 5, 6. Allez, courage. Ça commence à chauffer. J'espère que vous sentez le travail. Dernière série de 10. 8, 7, restez avec moi, 6, allez, dernière, 5, 4, restez concentrés, 2, et un dernier, et on change bien sûr de l'autre côté. On y va? 3, 2, 1, action, et 1, 2, 3, 4, on souffle, décomplit le bras. Essayez de contrôler votre geste quand vous descendez aussi le avant-bras, d'accord? Ne laissez pas tomber vos haltères vers le sol. Restez bien guidé avec vos abdominaux et contrôlez votre geste, non seulement quand vous pliez le bras, mais aussi quand vous le tendez.
Il ne faut jamais tendre le bras au maximum, d'accord? Et vous avez le poignet qui soit stable, le poignet ne bouge pas. Allez encore, on saute par la bouche, décomplit le bras, on utilise toute notre conscience pour solliciter nos muscles encore plus fort. Il reste encore 20 fois. 4, 5, 6, 7, 8. Engagez le bas du ventre, fermez le zip. Ok, dernière. 10, 9, 8, soufflez par la bouche. 7, allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1, roulez. Ok. On va faire des exercices pour le milieu du corps. On va faire un petit coucou aux biceps. On va dire maintenant bonjour aux cuisses. Prenez deux petits haltères ou reprenez de nouveau vos bouteilles d'eau. Écartez les jambes plus que la largeur des épaules, les pieds et les genoux dans les diagonales. On fait des squats, descendez les fessiers vers le bas. Essayez de ne pas descendre le buste, d'accord? On descend les fessiers, mais pas le buste, le buste droit. On tire avec les bras vers le sol, on inspire. On remonte, on serre très fort les fessiers, on amène les bras légèrement vers l'arrière. Comme ceci, on expire. Je descends, j'inspire. Je mets les bras légèrement vers l'arrière, je serre les fesses et je pousse avec les bras, j'expire. On y va? C'est parti? 3, 2, et 1. 2 pour 40. Allez, c'est facile. 3. 4. 5. Gardez le buste droit. 6. Fixez votre regard devant vous. Prenez du plaisir. Cet exercice va nous permettre de solliciter l'intérieur des cuisses quand on descend les fessiers et l'extérieur de nos cuisses quand on les remonte. Bien évidemment, on sollicite également les moyens et les grands fessiers. Inspirez en bas, expirez haut. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas d'aller plus vite que moi, d'accord? Inspirez en bas, expirez haut. Allez, courage, on ne lâche rien. Si vous avez choisi de faire l'exercice plus vite que moi, essayez de ne pas dépasser les 40 répétitions pour avoir encore un peu de force pour la suite et tenir jusqu'à la fin de notre séance d'aujourd'hui. J'aimerais vous rassurer que la moitié est partie. Il ne reste pas plus que 15 répétitions. Essayez de descendre les fessiers encore plus bas possible. Encore. Allez, courage. Dernière 10 répétitions. 10. Descendez plus bas les fesses. Plus bas, encore plus bas. Je vous vois plus bas. Vous pouvez faire beaucoup plus bas que ça. Ah, vous voyez? Allez, courage, je vais vous rassurer que je vous vois toutes. Tous ceux qui sont connectés, je vous vois comme si vous étiez là avec moi. À la maison, oui, c'est ça. Allez, encore 5, encore 5. 4. 3. 1. 2. Ok, c'est le dernier, dernier. Ok, relâchez, c'est parfait, parfait. On va remonter de nouveau sur les parties de notre corps. On va solliciter maintenant nos deltoïdes, l'extérieur de nos épaules, ce qui nous donne aussi un très joli, esthétiquement vieux, des bras, des épaules, très jolie posture. On y va? Vous connaissez l'exercice. Les mains qui restent devant le ventre, on se grandit. Rétroversion du bassin, on inspire. On lève les bras, surtout pas plus haut que les épaules. Poignet droite. D'accord, ne jouez pas avec les poignets. Baissez vos épaules, poussez les omoplates vers le sol. Soufflez par la bouche. Descendez, inspirez par le nez. C'est parti. En haut, en bas. Allez, encore. Motivez.
Ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis très heureux de vous annoncer qu'on est à la fin du mois de juillet et cette semaine-là, je rentre dans ma 31e semaine de grossesse. Donc du coup, à partir de cette semaine, on va compter encore 12 jusqu'à l'arrivée du bébé. Surtout, inspire un peu. Allez, courage. Encore. Serrez les fessiers. Fifi, faites attention quand vous descendez les bras de ne pas vous lâcher comme ceci, d'accord? Il faut que vous soyez capable dans chaque instant de vous arrêter, d'accord? Allez, encore un peu. Est-ce que ça commence à chauffer? Ça va à la maison? Oui? Allez, encore 15, encore 15. 2, 3, sans mélange, 4, 5, 6, on souffle à monter. 5, il reste encore 5 derniers. 4, soufflez les montées. 3, 2, une dernière. Relâchez. Plus besoin des haltères. On les range, mais pas pour très longtemps. On s'hydrate et l'on va redescendre de nouveau sur la partie basse du corps. Rapprochez votre tombe contre le mur ou prenez votre chaise, ou si vous avez le balai prêt, ben, n'hésitez pas à l'attraper. Ou votre chérie, ça marche aussi avec. D'accord? On va solliciter les moyens fessiers. D'accord? Vous connaissez l'exercice, aujourd'hui je vous propose tout ce qu'on a l'habitude de faire. Et tout ce qu'on avait fait tout le mois de juillet. On y va? Je vais vous mettre de profil. On va travailler avec la jambe droite. Le genou de la jambe gauche sera déverrouillé, d'accord? La jambe d'appui ne va pas bouger. Faites attention à ça. Levez celle qui va travailler et regardez pour vous rassurer que le talon de la jambe tendue soit aligné de la fesse. Il ne faut pas que vous avez la jambe vers l'avant ou vers l'arrière. Elle soit vraiment sur le côté. On y va? Tout petit à haut en bas. Et on saute dès qu'on lève la jambe. Encore. Et si rentrez le bas du ventre. Baissez vos épaules. Ne bougez surtout pas le genou de la jambe d'appui. Allez, courage. Voici encore une petite idée pour travailler la respiration. Sur 4 temps, ça veut dire je lève 4 fois, j'inspire. Et sur 4 temps, j'expire. Exemple, j'inspire. J'expire. Et je reprends, j'inspire. J'expire. Ouais. Allez, encore une dernière 20 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les pieds encore 10 fois. Levez plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on relâche. J'espère que vous sentez bien le travail. Et bien sûr, de suite, sans récupération, on change de l'autre côté. Je vous rappelle qu'on ne récupère pas parce que pendant le temps qu'on a eu une jambe qui travaille, l'autre, en parenthèse, elle était plutôt en repos, d'accord? On y va? Pas plus que 50. C'est parti. 1, 2. Encore 40. 2, 3, 4, 5. Encore 30. Il reste encore 2 séries de 10. Essayez de ne pas bouger le genou de la jambe d'appui. Rassurez-vous que la jambe soit dans la bonne direction. Grandissez-vous. 10 encore. 9, 8, 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Roulez un chien. Wow, ça chauffe énormément. Excellent travail. Bravo, bravo. On reprend les haltères. On reprend les haltères. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a bien travaillé la semaine dernière, nos triceps. Aujourd'hui, on va faire l'un des exercices que je vous ai proposé la semaine dernière. Et du coup, on va faire la différence du fait qu'on va faire beaucoup plus de répétitions que la semaine dernière. Vous avez la possibilité de démarrer la première série de suite avec les deux haltères. Moi, pour les tenir plus facilement, j'aime bien quand je les croise comme ceci. Et je le pousse tout en haut, d'accord? Sinon, vous prenez juste une haltère pour être sûr que vous ne faites pas de bêtises et que vous travaillez correctement. Dès qu'on utilise une charge d'entraînement qui est plus importante, moi j'aime bien utiliser la force de mes jambes pour lever cette charge-là. Du coup, je garde mes jambes, je plie le bras parce que là, le biceps il tient bien. J'inspire et je souffle, je pousse. Je vais garder le bras près du mon corps et tout de suite je vais corriger la position du mon dos avec légère rétrogression du bassin pour ne pas se faire mal au lombaire. Le poids du corps plus sur les orteils, pas sur les talons, légèrement vers l'avant. Ensuite, on plie le bras derrière la tête, on inspire. Puis la main descend vraiment au milieu du dos, pas sur l'épaule. Et je tends le bras, je souffle. Attention! Quand vous tendez le bras, évitez d'ouvrir le bras. Surtout pas, vous gardez le bras proche, d'accord? On inspire, on expire. Allez, c'est parti, on va faire 30 répétitions. 2, 3, 4, attention au lombaire. Gardez la tête droite. Très bien. Essayez maintenant de baisser vos épaules. Contrôlez votre respiration, on tend le bras au moment de l'effort et on souffle par la bouche. Et il reste encore 10, 9, 8, ne cassez pas le poignet. Dernier, 5, 4, 3, 2, et un dernier, attrapez le coude pour descendre et relâcher. La même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer la pose de vos haltères pour le tenir plus facilement. Je pousse. On y va. Rétroversion. La tête. Inspirez, descendez. Soufflez. C'est parti pour 30. Les 2, 3, 4, 5. Et toujours avec le sourire. Et puis, ne jetez pas le bras. Ne jetez pas, car sinon vous risquez de vous faire mal au coude, d'accord? Allez-y progressivement. N'oubliez jamais, dans chaque instant, vous devez être capable de vous arrêter pendant le mouvement, d'accord? C'est vous qui contrôlez le geste. Ce n'est pas grâce à Elon qu'on est capable de faire le geste. Bien sûr, on triche un petit peu quand on commence à fatiguer, alors, mais d'accord? Mais essayez vraiment d'éviter ça. Allez, reste encore 10. Mais on souffle par la bouche dès qu'on tend le bras. Attention le poignet, ne jouez pas avec le poignet. Il reste encore 5. Serrez les fessiers. Encore. Allez, courage, le dernier, le dernier. C'est parfait, relâchez. On revient sur les jambes. Les pieds seront écartés largeur des hanches. Vous pouvez mettre vos haltères sur vos épaules, comme ceci. Ne les laissez surtout pas seuls, car vous risquez de les perdre. Vous les tournez légèrement avec les mains. On inspire par le nez, en baissant les fessiers comme si on va s'asseoir sur une chaise. Moi, je ne suis pas capable de descendre un peu plus bas, parce que sinon, j'écrase le bébé en bas. Mais essayez de descendre les fessiers jusque là, je vais un peu ouvrir. De descendre les fessiers jusque là, vous l'avez aligné de vos genoux. Derrière vos cuisses doivent être parallèles du sol, d'accord? Et le buste, il est droit. On y va?
On va faire 40 répétitions, d'accord? Je vais descendre un peu moins que vous. N'oubliez pas, de vous, j'attends vraiment la bonne technique. Souffle. Allez, c'est parti. Inspirez, expirez quand vous levez. N'oubliez pas de serrer les fessiers et la montée. Évitez ce geste-là qui n'est pas du tout naturel, d'accord? Le bassin avance parce qu'on serre les fessiers. Encore 30. Et 2. 3. Poussez le pubis vers l'arrière. Gardez le dos droit. Si le tempo est un peu rapide, n'hésitez pas d'aller moins vite que moi. Vous tenez vos haltères à peine avec les doigts, vous voyez? Je les tiens juste à peine. Parce que le poids il soit porté par mes efforts. Oui. Inspirez en bas, soufflez haut. Allez, encore un peu. Inspirez, soufflez. Encore un peu. Quand vous descendez les fessiers, attention aux genoux, genoux parallèles. Ouvrez pas les genoux sur les côtés, d'accord? Sinon, vous risquez de vous faire mal. Inspirez en bas, soufflez haut. Les filles, le buste. Ne descendez pas le buste, descendez-moi les fesses. Les fesses qui descendent vers les talons. Voilà, c'est comment je fais. Dernière 10 fois. 10. 9. 8. 7. Poussez fort tout seul avec le milieu de vos talons. Avec les grands orteils. Allez, on soit motivé, 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 motivé. Inspire en bas, souffle. Encore 5. Attention aux genoux. Plus que 3. 2. Et une dernière. Oh, excellent. Roulez les jambes, faites une petite pause. Pensez vous hydrater. Si vous le souhaitez, mettez les haltères au sol car on retrouve de nouveau contre le mur pour solliciter les grands fessiers comme ceci. D'accord? Quand j'ai bien vous surveillé, bien sûr, je ne vais surtout pas me mettre du dos de vous. Allez, hop! On y va? Soit avec les chaises, soit avec le chéri ou là comme vous voulez, soit contre le mur. Du coup, je vais me placer de profil, comme ça vous allez voir plus facilement ce qu'il se passe. De nouveau, le genou de la jambe d'appui, celle qui ne va pas travailler, ne bouge pas, mais le genou il est déverrouillé. La jambe ni trop fléchie, ni raide, souple. D'accord? Celle qui va travailler, raide. Les hanches parallèles au mur ou parallèles à moi, d'accord? Surtout pas ouvrir pour lever la jambe plus haut. On s'en fiche. L'essentiel, c'est vraiment serrer très fort les fessiers et lever la jambe. Ne bougez pas le buste, restez droit. 3, 2, 1, go. Out. On souffle dès qu'on lève les jambes. Si vous levez très haut les jambes, vous risquez de travailler aussi vos lombaires, le bas du dos. D'accord? C'est pour ça, levez-moi pour donner la cible du travail sur les grands fessiers et solliciter un petit peu moins vos lombaires. Rentrez le bas du ventre pour engager vraiment les grands fessiers et solliciter moins le bas du dos. Tirez avec le grand orteil vers l'arrière. Ou s'il y a quelqu'un qui vous attrape par le grand orteil et qui vous tire vers l'arrière. Encore. Dernière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, changez de l'autre côté. 4, 3, 2, c'est parti. Alors. Ne bougez pas le bassin quand vous levez les jambes. Évitez de faire ce geste-là. D'accord? Travaillez propre. Moins vite, mais plus précis. Vous sentez que c'est bien vraiment la
Le mieux que là est mieux de nos fesses qui travaillent. Et que ce n'est pas le dos, que ce n'est pas la force de votre fils qui pousse le jambe vers l'arrière. Que ce n'est pas aussi le ventre, d'accord? Mais c'est vraiment ici. Ressentez le mieux. Là. C'est là, oui. Le grand orteil tire vers l'arrière. Le genou de la jambe est plus déverrouillé pour que la cheville puisse contrôler l'équilibre plus facilement. On va faire la même chose sans aucun autre support. Mais là, on va solliciter encore plus la cheville. On ne souhaite pas solliciter la cheville. On souhaite solliciter les fesses, ici. 5, 4, grandissez-vous. 3, épaule. 2, jolie posture. 1, relâchez. Si ça fait mal le dos, encore une fois, c'est parce que vous avez levé la jambe très haut. D'accord? Ce que j'ai demandé à éviter. Ok. Reprenez de nouveau vos haltères, s'il vous plaît. On va revenir sur le travail de la partie haute de notre corps. Au bas du dos, comme là. Ouais. On remonte le zip. Les haltères à l'extérieur du corps, épaules basses, inspirez. Levez les bras, pas plus haut que les épaules. Et là, écartez légèrement les mains, écartez, oui, pas plus que la largeur des épaules, d'accord? Donc les mains, ni serrées, ni trop ouvertes. Baissez vos épaules, grandissez-vous. Descendez l'extérieur, inspirez. Vous voyez comment j'ai les haltères, comme ceci, c'est pas là, c'est là. Boum, et je descends. Boum, et je descends. Allez, on y va. Je souffle, j'inspire en bas. Continuez à travailler. Faites attention parce que quand vous levez les bras, vous rapprochez un peu les mains. Non. Largeur de vos épaules, rapprochez pas. Oui. Maintenant, attention, deuxième chose. Ne relâchez pas quand vous descendez. D'accord? C'est ici. Si vous tournez vos bouteilles, vous avez la bouteille horizontal, comme ceci, et pas là, d'accord? C'est ici votre bouteille, oui. Soufflez fort par la bouche quand vous levez. Il reste encore 15, 14, 13, 12, 11. Allez, courage. Poussez les épaules et les omoplates vers le bas. Serrez les muscles de la partie basse de votre ventre. Allez, encore un peu. 5, 4, rapprochez pas vos mains. Allez, encore 3, 2, une dernière. Wow, ça tue. Et relâchez, c'est super. Maintenant, les filles. Encore un exercice qui va nous permettre de revenir sur le travail de nos cuisses. D'accord? Je vais garder mes haltères, ou vos bouteilles, dans les mains. J'ouvre un pied. Le pied qui part dans les diagonales. Je plie, je bouge, je fais un fond latéral. Et je plie, je reviens. J'ouvre l'autre pied, le pied qui soit dans les diagonales. Je fais fond. Une jambe tendue, l'autre fléchie. Et je bouge, je reviens. On y va? Attention au buste. Le buste reste droit et stable. Fermez le zip, serrez les abdos. Et inspirez, revenez. Inspirez, revenez. Et toujours. Poussez le sol avec le pied de la jambe que vous avez ouvert. Poussez fort. Oui, encore. Toujours. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Assurez-vous que vous n'avez aucune tension sur le genou de la jambe fléchie, d'accord? Le buste droit, le buste droit. On va essayer d'aller dans le niveau supérieur. Levez les bras comme ceci. Oula, c'est pas pareil, hein? Gardez les bras levés. Encore 10 fois pour vous. Mais tout seul. 8,
7, plus bas les fesses. 6, attention au bassin. Hein, le bassin ne bouge pas. Je descends bien, je bouge, je reviens. Je descends bien, je bouge, je reviens. 3, 2, 1. Relâchez, récupérez. On revient sur la partie haute du corps. D'accord? On va solliciter notre trapèze. Cette partie-là de notre dos. On va tenir les haltères. Rétroversion du bassin. On lève les épaules. On souffle. On descend, on inspire. C'est parti. Allez, ça c'est facile comme mouvement. Encore. Un, deux, trois, quatre. Levez plus haut. Encore. On souffle dès qu'on lève. 10 encore. 10. 9. 8. Serrez les fesses. Plus haut. 3. 2. Ok, on reste haut. Tout petit. 10. 9. Attention, on ne met pas les poules. Hein? Ce ne sont pas les coudes. Ce sont les épaules qu'on lève. Encore et en série. 10, 9, 8, lâchez pas. 6, 5, 4, 3, 2, single lentement, en haut, en bas. 2. Soufflez fort quand vous levez. C'est la dernière série, c'est promis. Pour cet exercice. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, vous pouvez les mettre au sol. On redescend dans le travail de la partie bas du corps. On va dire bonjour aux nos moulets. J'espère que vous n'avez pas prévu sortir ce soir avec les talons plus 12 cm. Ah, non, c'est pas le cas. Tant mieux. Ok. On va garder les pieds proches. Soit vous vous approchez contre le mur, soit vous faites la même chose sans support, comme vous voulez. Je soulève mes talons. Essayez de ne pas avancer le bassin et les genoux comme ceci, d'accord? Pensez à une corde. Boum, la corde de la guitare. Bien tendue. On y va? Je souffle, j'inspire en bas. Ao, ao. Toujours. C'est parti pour 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Hop. Sans sauter, d'accord? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière série, ça chauffe! Sans tricher, sans tricher, propre, j'aimerais voir un travail propre. 5, 4, 3, 2, 1, ok, c'est parfait, relâchez, relâchez. Comme je vous ai promis aujourd'hui, un exercice, juste une série, un peu plus de répète. Reprenez de nouveau vos haltères ou vos bouteilles d'or. On y va? On revient sur la partie du corps. Et là, on va solliciter le dos. On plie les coudes comme ceci. On a les poignets droits, poignets coudes sur la même ligne, coudes forts sur la même ligne. Attention parce que je vois certains parmi vous avec le dos cambré comme ceci. Rentrez le bassin. Ouvrez vos coudes vers l'arrière, mais pas trop. Ne cassez pas le poignet. Vous avez l'haltère, vous voyez? Regardez-moi. Vous avez l'haltère loin de votre oreille. C'est pas ici. Ouvrez le bras. Oui. Inspirez. Fermez les coudes. Descendez les mains au niveau de votre menton. Vous devez être capable de mouvoir. Descendez vos mains. Le bas vos mains. Le bas. Ok. Ouvrez, inspirez. Fermez, soufflez. Restez. Françoise, descendez les mains plus bas. Plus bas les mains. Les mains vers le sol. Et reprenez. Ouvrez. Fermez, ouvrez, fermez, inspirez, expirez.
Faites attention, ne pas bouger le bassin, ni le buste, d'accord? On inspire, on ouvre, on ferme, on expire. Continuez à travailler, regardez vers mes mains. Vous voyez comment les haltères sont fermées et enveloppées? Vous voyez les haltères? Ils sont là, ici. Pas là, mais là. D'accord? Il reste encore 15, 14, 13, 12, 11, 10, mais beaucoup mieux que tout à l'heure. 6, 5, on souffle dès qu'on ferme les bras. 3, 2, 1, et roulez, c'est parfait. Ok, c'est pas fini. On ouvre les bras. Jambes préférées qui va travailler. Vous levez les jambes, vous soufflez et vous descendez les jambes. Vous touchez le sol à peine avec le grand orteil. Ne bougez pas le bassin comme ceci. Restez bien face à moi avec vos hanches. Ouvrez les bras. Baissez les épaules. Grandissez-vous. Fermez le zip. Inspirez par le nez. Serrez les abdos, soufflez, vous descendez, vous contrôlez, 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 contrôlez. Vous touchez à peine, inspirez, explosez le ventre. Et tout ça vit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, l'autre jambe, 3, 2, 1, go! Récupération, reprenez de nouveau vos bouteilles d'eau ou vos petits haltères. Vous y êtes? Ok, les filles, on va combiner les trois exercices de tout à l'heure pour solliciter les bras. Biceps, deltoïde, devant l'épaule. D'accord? On y va tout doucement. Biceps, deltoïde et les épaules. On y va. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Roulez-le. Hop. Les biceps, les épaules et devant. Les biceps, ouvrez. Devant, biceps, deltoïde, devant l'épaule, biceps. Encore un peu. Courage. Biceps, ouvrez, épaule. Ça met long. Si vous le souhaitez, les yeux moins vite. Les biceps, les épaules et devant. Plié, levé, devant. Allez, encore un peu. Encore 5. 1, 2, 3. 4. C'est la dernière. Wow, roulage. Je
Je suis très heureuse de vous annoncer que la partie la plus difficile est terminée. Pensez vous hydrater. Si vous le souhaitez, changez votre playlist avec une musique qui soit un peu plus douce. Et là, je vous invite à rentrer dans la partie récupération. N'hésitez pas à boire avant de continuer. Tout le monde va bien? Oui? Je suis fière de vous. Allez, c'est parti. Ok. On va écarter les jambes, mais plus qu'à largeur des épaules. Les pieds et les genoux dans les diagonales. Ne cambrez pas le dos. Restez toujours bien guiné avec les muscles de la partie basse du votre ventre, les muscles du périnée. Sans que ça devienne obsessionnel, bien sûr. Baissez vos épaules. Poussez-les légèrement vers l'arrière et allongez la nuque. Écartez chaque vertèbre après vertèbre comme si vous souhaitez gagner encore quelques centimètres de plus. Si vous mesurez comme moi 1,63 m, imaginez dans votre tête que vous avez 1,65 m. Voilà. Levez les bras, inspirez. Coulez les mains l'un à l'autre, descendez les coudes, expirez. Ne levez pas les épaules quand vous levez les bras, on avait déjà travaillé sur la technique. Levez les bras, inspirez par le nez. Ne levez pas les épaules, il faut vraiment que le mouvement soit fluide, sans aucune tension. Expirez par la bouche. Croisez les doigts, fléchissez les genoux. Arrondissez le dos, regardez vers le bas du ventre. Sans remonter le buste, pivotez votre partie du corps à droite, gardez le buste vers le bas. À gauche. Revenez au centre, redressez le buste en libre, loin, tirez la tête vers le ciel. Tirez, décroisez, expirez. Les omoplates tirent vers le sol, mouvement élégant, coude déverrouillé. Pliez le genou de la jambe gauche. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, n'oubliez pas, le pied n'est pas collé au sol. Avancez-le. Si tout va bien, ne bougez pas. Levez le bras droit, inspirez. Inclinez le buste sur le côté. Vous pouvez mettre l'avant-bras sur la cuisse. Regardez vers le ciel. Pivotez le buste complètement à gauche et descendez le bassin vers le bas. Soufflez fort par la bouche. Tout petit battement, de petite amplitude avec le bassin vers le sol. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Soit vous maintenez la posture encore 10 secondes, soit pour les plus motivés, on tend la jambe devant et on va essayer de descendre en grand écart. On maintient. 6, 5, 4, 3, bravo. 2, 1, repoussez le sol avec les mains pour plier d'abord la jambe devant, la jambe derrière, et pivotez le bassin et le buste de l'autre côté. Descendez le bassin vers le bas. Deux petits battements, deux petites amplitudes avec le bassin vers le sol. Les filles, juste levez la tête pour voir quelque chose. Attention avec le genou de la jambe devant vous. Le genou de la jambe fléchie soit sur la même ligne que la cheville, d'accord? Et celle qui est derrière soit bien raide. Moi, j'aime bien mettre les mains à l'intérieur parce que c'est plus facile pour mon grand ventre maintenant. Et protégez bien sûr le bébé. Sinon, vous pouvez mettre l'autre main à l'extérieur de votre pied de la jambe fléchie. On reste sans bouger.
ou pour les plus motivés, essayez de descendre en grand écart tout doucement. Soufflez fort par la bouche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pliez la jambe devant vous. La jambe derrière vous. Déroulez votre buste, votre dos et remontez le buste. Relâchez. Soufflez bien fort. On va continuer sur la récupération de la partie basse du corps. Du coup, on va étirer les cuisses, votre jambe préférée. Vous connaissez l'exercice. Maintenez la posture 10 secondes. Soufflez fort. Serrez les genoux. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Changez de l'autre côté. Excellent. On va étirer un petit peu maintenant sur la partie haute, vu qu'on l'a bien sollicité. On ouvre les pieds de nouveau vers l'extérieur, genoux souples. On protège le bas du dos, on lève les bras pour remplir les poumons. On inspire. On expire. Et là, on va étirer l'avant-bras, biceps devant l'épaule qu'on a travaillé tout à l'heure. On attrape les doigts. Et on les amène vers le ventre. On pousse les portes vers le bas et vers l'arrière. Attention aux lombaires. Hop là, protégez de suite. Pas du corps vers l'avant et vers le haut. Oui. Soyez fiers de votre travail. Changez de l'autre côté. Baissez les épaules. Attention au bas du dos. Relâchez. Gardez les bras près du corps. Cercle avec les poignets, sens préféré. 3, 2, 1. Tout l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Ouvrez grand vos bras vers l'arrière. Tout petit. Cherchez à rapprocher les omoplates et le colon vertébral. Ne bougez pas le bassin, ni le buste, ni vos jambes. Vous poussez les bras vers l'arrière, vers le sol en même temps. Levez les bras pour les mains l'un à l'autre. Inspirez. Descendez les mains au niveau de votre cœur. Expirez. Reprenez de nouveau, inspirez, ouvrez, levez, descendez, expirez. Reprenez, inspirez. Expirez. Et une dernière. Inspirez. Expirez. Pliez les jambes. Descendez tout doucement le buste vers le bas. Utilisez les mains pour ne pas y descendre dans un coup. Relâchez les bras. Relâchez la tête. Tout en restant dans l'équilibre. Soufflez bien fort par la bouche.
remonter tout doucement. Si vous le souhaitez, mettez les mains sur la partie des cuisses pour remonter le buste plus facilement. Soufflez bien fort. Mes champions, je suis très heureuse de vous dire un énorme merci et surtout de vous dire un grand merci.